Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grand-mères des Parcs des Princes, qui mangent des princes de lu. Oh les amis, sur la vie de ma mère, hier soir, j'ai regardé le match du PSG. Oh là, je suis de bonne humeur, oh la vie de ma mère, c'est quoi ce club de pute? Non, excusez-moi, on va respecter. C'est quoi ce club de salope? Sur la vie de ma mère, oh là, oh ça fait 2 fois que je regarde des matchs du PSG, ils font des matchs de merde! À croire, c'est moi le porte-poisse, les Parisiens, si vous regardez la vidéo, c'est de ma faute si c'est le chaos chez vous, oh là! Oh, c'est quoi cette équipe sur la vie de ma mère? Oh, 1 000 milliards de budget! Oh, Ressé! Oh, il est rainé, frère! Un petit chauve! Oh là, on dirait Krillin dans DBZ! Il est tout là! Oh, il a quel âge? Il a 12 ans! Tout rasé, une tapette sur la vie de ma mère! Oh, le ballon il arrive, un contrôle il n'a pas fait, frère. Vos grand-mères qui savent pas faire de contrôle et qui passent un examen. Oh, c'est grave ça, voilà. Ressé, oh y'a King, oh équipe de pute sur la vie de ma mère. Oh, ils t'ont mis des. Oh, Krikrovac. Oh, voilà, c'est le nom d'une chips. C'est le nom d'une boîte de chips. Ou c'est le nom d'un joueur. C'est plus Krikrovac. C'est Krikrovac, niquer ta mère. Voilà, Krikrovac. Oh, c'est incroyable ça. Oh, ils t'ont pris des joueurs, c'est des noms de puzzle. Voilà, Krikrovac. C'est pas des noms ça. Donc voilà, après y'a qui. Oh, pas d'attaquant, pas d'attaquant. Mais ça, c'est le PSG qui se vantait. Ouais, Zlatan, il est trop vieux. Merci Zlatan, mais casse-toi et tout. Regardez, Zlatan, sans Zlatan, vous allez tout droit dans un platane. Faut dire la vérité. Voilà, c'est votre daron, Zlatan. Et en plus, il vous respecte pas. Mais personne vous respecte. Sur la vie de ma mère, personne vous respecte. Voilà. Oh, Zlatan, cette semaine, ils ont dit, qu'est-ce qui te manque au PSG? Moi, je croyais qu'il allait dire l'ambiance. Je croyais qu'il allait dire les Parisiens. Non! Mon salaire, il a dit. Voilà. Mon salaire pour vous dire qu'il n'y a que le pognon chez vous qui est intéressant. Le pognon, et voilà, c'est tout. Oh, Kevin Trapp, il est passé à la trappe, le mec. Voilà. Oh, le but qui se prend à la dernière minute. Oh, ça se voit, il pense à Rihanna. Voilà. Ça se voit, il est en train de passer à Rihanna. Oh, putain, quand je la nique, la nanique. Eh oui! Il s'est pris un but par qui? Par un blanc. Je sais même pas c'est qui, je connais même pas son nom. Eric. Je crois qu'il s'appelle Eric ou Eroc ou je sais pas. Voilà. Oh, contrôle poitrine. Oh, la vie de ma mère, le mec, il avait le temps de se servir un café dans la surface. Mais c'est grave, ça. Voilà. Donc, le PSG, 2 matchs de puterie. Sur la vie de ma mère, 2 matchs de pute que. En fait, oui, c'est magique. Le PSG, c'est magique. Excusez-moi. On voit ça, à chaque fois que vous arrivez en quart de finale, vous disparaissez comme par magie, abracadabra, voilà. C'est plus ibracadabra, c'est abracadabra, vous disparaissez d'un coup. Donc ne cherchez pas à gagner la Ligue 1, en jouant comme ça, ne cherchez pas, ne croyez pas, ça va être comme les autres années. Ouais, Paris devant, nous on est là, on joue la deuxième, troisième place. Non, 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 tout le monde joue le titre cette année. Le PSG, ils sont nuls, voilà, ils sont nuls. Oh, Ressé, frère, voilà. Mais sur la vie de ma mère, oh, Ressé, c'est qui, c'est, ils viennent du Real Madrid. Mais voilà, le PSG a acheté le joueur le plus nul du Real Madrid. Faut le dire ça aussi. Voilà, que leur recrutement, il est merdique. Que le PSG, c'est des gros pigeons. Mais c'est connu dans le monde des affaires. Voilà, moi j'ai des sources, ils me disent. Quand on veut vendre un club on veut vendre un club à Manchester, on va le vendre 40 millions. Mais au PSG, il vaut 80 millions le mec. Parce que c'est des gros pigeons sur la vie de ma mère. En attaque, ils t'ont fait rentrer qui? Cavani. Oh, une cave le mec. C'est même plus Cavani, c'est Cajani. Il rate toujours la cage. Oh, t'as fait un retourné, frère. Oh, le mec, il croyait qu'il faisait, je sais pas, il croyait qu'il faisait du trampoline. Il avait oublié le ballon. Oh, mon pote, frère, oh, tu fais un retourné. Si tu. Quand. Je m'adresse à tous les joueurs de Ligue 1, d'Europe et du monde entier. Quand vous faites un retourné, faut le réussir. Sinon, c'est la honte. Sinon, il y a des gros risques de se briser le dos. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire sur le P. Non, sur ce club de pute. PSG, la putain de sa grand-mère. Mais je suis désolé, c'est la seule vérité à l'heure d'aujourd'hui. Après, faut pas être mauvais. Voilà, c'est toutes des putes, mais il y en a un, je trouve qu'il est fort, même si c'est une ancienne femme, Verratti. Voilà, le PSG ne mérite pas Verratti. Voilà, Verratti bien qui verra qui le dernier. Voilà, on Verratti à la fin, sur la vie de ma mère. Si Verratti part. On verra qui, il y aura plus rien, frère. Il y aura plus rien. Oh si, l'autre là, Matuidi. Ça va, Matuidi, ça va. Mais la mec, regardez le mec à la fin du match, frère. Ils ont ramené une civière, ils l'ont ramené aux urgences. Il allait mourir, plus de souffle. Oh Meunier, oh ta grand-mère, le menu qui s'appelle Meunier. Oh Meunier, frère. Oh le mec, c'est, oh voilà, c'est un mannequin, le type. C'est quoi son rôle? Oh il est grand, il est musclé, c'est un arrière droit. Oh, ta grand-mère, l'arrière droite. Oh, t'es sérieuse? Oh, t'es pas sérieux, mon pote. Fais pas arrière droit. Mais non, fais pas arrière droit. Les arrières droits et les arrières gauches, c'est pour les petits de taille. Les petits rapides. Toi, t'es grand, t'es lent. Voilà. Je sais pas. Fais la doublure de Giroud, Arsenal. Meunier. Oh, Meunier, frère.
Kurzawa, il se croit dans un match de K1, il arrive des tatouages, des trucs, mais y a-t-il sur le terrain? Voilà, on voit rien. Ben Arfa, il a pas envie de marquer, ça se voit, voilà. Oh, il dribble toute l'équipe, il arrive devant Ruffier. Oh, Ruffier, frère, oh, c'est moi ou il a une tête de cochon, ce mec? Faut dire la vérité, il a une tête de porc, voilà. Il ressemble à un cochon, il faut... Pas besoin, ce mec, j'ai pas besoin d'être original dans l'humour. Voilà, on dirait un porc, tout simplement. Pas un porc, un vrai cochon, un cochon nous. Voilà. En plus, oh, les verts, vous avez perdu contre les verts. Vous n'avez pas perdu contre les diables rouges. Vous n'avez pas perdu contre les, je sais pas, les jaunes et noirs de Dortmund. Non, les verts, frère. Ils fument tous de la beuh dans l'équipe. Vous savez comment on les appelle, les habitants de Saint-Etienne? Les Stéphanois, frère. Tous les habitants, ils s'appellent Stéphane. Mais c'est grave, ça. Vous perdez contre les Stéphanois, c'est grave. Voilà. La ville, elle est polluée. Il fait toujours sombre là-bas. Non. C'est pas normal. Voilà. Un club comme le PSG, soi-disant, qu'ils viennent avec des... Non. Voilà. Non. Je suis pas d'accord. Voilà. Allez, l'OM. Nous, on est là, nous. Nous, on représente. Y a quoi à dire sur nous. Voilà. Y a quoi à dire sur nous. On est les patrons cette année. Sur la vie de ma mère, on est resté sur une victoire. Tant qu'il y aura cette victoire, je me la pèterai. Voilà. Et je pèterai des grand-mères.